A girl is nothing but a gun to protect you from your enemies. A girl is a hostage that you will deliver to keep your freedom. A girl is an old pack horse that will carry all the treasures you've stolen and will steal. I am your gun, I am your hostage, I am your pack horse. When will you see that the guns you wear near your bed are more powerful than I am? When will you see that you've made a mistake, and that I am also a girl, that I am only a girl? No, I don't want to be a gun. Get rid of my butt. Put off my bullets, break my tumbler. Go further than my barrel. When will you see that inside this gun there is a heart? There is a heart that pants for you. Billy Kid, je sais que ça a été un tournage difficile. Et en plus, c'était ta première expérience au cinéma, je crois. Oui, oui. Alors comment, quand on est complètement vierge de toute expérience cinématographique, on se retrouve dans un film aussi fou? Oui, comment? C'est-à-dire que moi, je devais quand même un petit peu rencontrer Luc à un moment ou à un autre, parce que pour les contrebandières, j'étais étudiante en philo et je passais sur le boulevard Saint-Germain. Et il y avait un assistant, il y avait deux ou trois personnes sur un banc et qui m'ont demandé si je voulais jouer dans un film de Luc Moulet. Alors j'ai dit non, je peux pas, j'ai des examens. Hein. Mais ça, le nom m'était resté quand même. Et puis c'est en faisant un court-métrage, en fait, comme à la mise en scène, en fait, que j'ai rencontré Luc, qui était dans le jury. Et donc, il m'a fait cette proposition de jouer dans Billy the Kid. Donc, j'avais aucune connaissance de la caméra comme actrice, disons. J'avais simplement fait un court-métrage comme réalisatrice. Et donc, j'ai hésité. Et puis, il m'a dit, tu vas jouer avec Jean-Pierre Léo. Et donc, c'était encore plus... je sais pas, j'étais un peu, en même temps, attirée, oui, par le fait de jouer avec Jean-Pierre. Et en plus, on était constamment tous les deux dans tous les plans, du début à la fin du film. Et on jouait, en fait, il y avait un troisième personnage, c'était la montagne. Parce qu'on était tout le temps mis en scène par rapport à la montagne aux Roubines. Et donc, en plus, beaucoup de plans étaient pris de loin et ça demandait... de savoir se déplacer et de savoir être en mouvement, et ça devenait un petit peu de la calligraphie, quoi. Et donc j'avais deux problèmes, parce que je me suis aperçue que Jean-Pierre stylisait beaucoup, justement. Et au début, on le jouait un petit peu bande dessinée. Et Luc avait dit non, non, je veux pas de ça. Donc, on a dû changer un peu notre manière de jouer. Et en même temps, en sachant qu'on était pris souvent de loin. Par rapport à Jean-Pierre, comme il en faisait beaucoup, puisqu'il stylisait tout ça, je me suis dit, qu'est-ce que je fais? Je me suis dit, bon, ben là, s'il en fait beaucoup, moi je vais en faire très peu. Et donc j'ai joué très littéralement, quoi, en fait. C'était un tournage assez difficile quand même.
Eh bien, disons que c'est au moment où le tournage devenait le plus intéressant, c'est-à-dire au moment où j'avais la sensation d'avoir trouvé le personnage et de, oui, d'y prendre du plaisir, que il y a eu un petit accro dans la toile, quoi. L'accro, c'est quoi ? L'accro, c'est une scène. Il faut dire que si on me demandait de jouer une scène comme ça maintenant, je dirais peut-être non. Je dirais même sûrement non, parce que il s'agissait d'une scène où je devais sortir dans le plus petit village de France, d'un chalet en état de somnambulisme, donc descendre des marches, marcher environ sur 30 mètres et me pencher au-dessus de ce que je croyais, parce qu'on m'avait rien dit, Luc ne m'avait rien dit, de ce que je croyais être un talus, un petit talus, donc je ne me faisais pas de soucis. D'autre part, il n'y avait pas de son. Donc, il pouvait me donner toutes les indications qu'il voulait. J'avais les yeux fermés, donc j'avançais comme ça, somnambulisme, comme ça. Et il était sur un petit pic au-dessus, avec le chef-op, et il me donnait des indications, puisque j'avais les yeux fermés. Et c'était censé être une scène où je me suicidais. Donc j'ai fait une première prise. Et puis, ça lui a pas suffi. Donc, je suis retournée sur le perron du chalet. Et à l'intérieur, il y avait des gens qui s'engueulaient parce que c'était le maire du village et sa femme. Et en fait, ça les faisait un peu flipper qu'on filme leur maison parce qu'ils la trouvaient pas belle. Et donc, ils s'engueulaient tous les deux. Donc, je les entendais, moi, comme actrice. J'entendais leur engueulade. Et puis, je devais quand même descendre des marches les yeux fermés, aller vers franchir 30 mètres. Je savais que j'avais le metteur en scène au-dessus de moi. Et la deuxième fois, il m'a dit « penche-toi, penche-toi davantage, comme un zombie ». Donc, je me suis penchée davantage, mais à un moment donné, j'ai senti que je m'étais trop penchée. Donc, il y avait des grandes herbes, j'essayais de me retenir. Et puis, en fait, j'ai basculé. J'ai basculé, et là, j'ai découvert que je croyais atterrir tout de suite, au bout d'un mètre, dans un chemin qu'il devait y avoir sous le talus. Et puis, j'ai découvert que je rebondissais de plus en plus vite et que ça n'en finissait pas, quoi. Et comme j'avais quand même placé comme actrice ma confiance en lui, ce que j'ai vécu, c'était une espèce d'immense déception qui a duré sur 60 mètres. Par rapport au metteur en scène, quoi. À la fin, je me souviens que j'avais une voix intérieure qui disait « Luc, Luc », de plus en plus désespéré, jusqu'à temps que je perde connaissance. Donc une espèce de lassitude, de fatigue, de tomber, parce que j'avais des pierres qui me rebondissaient dessus, puisque c'était de corniche en corniche. Et alors, un mois avant, j'avais été au cinéma et j'avais vu « Les fiancés en folie » de Buster Keaton. Et il y a un moment donné, il est poursuivi par un essaim de femmes qui lui jette des pierres parce qu'il leur a toutes donné rendez-vous pour en marier une. En fait, il en vient énormément dans une église. Et après, il sort en courant et elles le poursuivent comme des folles et en lui jetant des pierres. Et j'ai revécu, au lieu de revivre ma vie, j'ai revécu Les fiancés en folie de Buster Keaton. Ça m'a occupé un moment. Puis ça s'est terminé par Luc, Luc. Voilà. L'histoire. Et je dois préciser aussi que c'était en plein midi. Et comme vous savez, en plein midi, il n'y a pas d'ombre. Et donc ça équivaut à une pleine nuit, en fait. Quand on fait des nuits américaines, on les fait toujours en plein midi. Parce que c'était une nuit américaine. Non, c'était pas une nuit américaine, mais c'était l'équivalent d'une nuit. Je te dis, il n'y avait pas d'ombre. Il n'y avait pas d'ombre. Donc c'était une nuit obscure, je veux dire. Et pourquoi tu avais les yeux bandés, ou les yeux fermés ? J'avais les yeux fermés et j'ai... Tu pouvais tricher un peu, non ? Mais non, je ne pouvais pas tricher puisqu'ils étaient au-dessus de moi. Je veux dire, comme ils étaient au-dessus de moi, si j'avais ouvert les yeux... Un petit peu, non ? Ben oui, si je les avais ouverts, mais je me doutais de rien, moi. Il aurait dû placer un assistant en dessous, ou, je veux dire, ne serait-ce que m'avertir.
Et alors, ce qui m'a pas plu, c'est que 3 mois après, quand il était en montage avec Eustache, il m'appelle, il me dit « faut que tu viennes dans la salle de montage ». Alors j'y vais, et là, qu'est-ce qui me passe? Un court-métrage qu'il avait fait 3 ans avant, qui s'appelait « Terre noire », et il me montre qu'il avait fait un panoramique vertical de l'endroit d'où j'étais tombée. En fait, il avait filmé les 60 mètres dans un court-métrage précédent. Et là, je dois dire, j'étais quand même en colère, parce qu'en fait, comme il n'était pas assuré, j'ai rien pu faire. Enfin, je veux dire, et en plus, comme j'aimais beaucoup son cinéma, sinon je ne me serais pas gênée, tu vois. Mais comme j'aimais son cinéma, j'ai dit bon, ben, voilà, c'est fait, mais en fait, je me suis retrouvée quand même avec une entaille dans la cuisse parce que ça servait de dépotoir là en dessous. Et donc, j'avais un tesson qui m'était entré. Par chance, j'ai pas eu de section de l'artère fémorale. Et j'ai quand même une grosse cicatrice, puis j'en avais un peu sur la figure. Enfin. Mais je suis pas dans le ressentiment. J'avais l'unite, etc. Je suis pas la femme du ressentiment, quoi. Je me suis calmée, quoi. Mais toi, tu penses que c'était volontaire, involontaire, enfin, parce que c'est quand même. Ben, je pense que. Non, je pense que c'est involontaire. Je pense que au moment d'ailleurs où ça s'est produit, il était en train de discuter avec Gonnet. Je veux dire, ils avaient un petit différent sur quelque chose, et donc il donnait des ordres, mais tout en discutant, et donc il a pas dû regarder. Il a pas dû regarder exactement ce qui se passait, quoi, je sais pas. Et après, il a fait une grande crise en hurlant, je pars en Argentine. Enfin, il était très affolé, quoi. Il était extrêmement affolé. Pourquoi l'Argentine? Parce que c'est un pays où on n'est pas poursuivi par les lois. Et je crois que le truc de Lux, c'est justement de savoir un petit peu jusqu'où il peut... Jusqu'où il peut aller, jusqu'à quel moment les autres vont lui dire « Écoute, Luc, t'es insupportable, ça va. » En fait, je pense que Luc cherche la loi, quoi, je crois qu'il... Et il fait passer des ponts de corde, enfin, je veux dire, il est tout le temps en train de nous pousser, en train de nous mettre à l'épreuve, « Vous allez faire ça, c'est facile, vous allez tomber en arrière dans une crevasse, c'est facile. » Faire monter des chevaux dans des téléphériques. Mais c'est aussi la fascination pour son cinéma. C'est-à-dire qu'il fait un cinéma qui est burlesque, mais où il s'agit quand même de mettre les autres en danger. Je veux dire, parce que... Alors c'est ça qui est intéressant. On se dit, bon, on est dans un... On a affaire à un franc-tireur. On va faire un cinéma... plus passionnant, donc chaque scène pose certains problèmes, on se dit voilà, alors ça comment je vais le faire, et en même temps quelque part il nous expose, donc faut quand même être un tout petit peu sur ses gardes tout en prenant plaisir à faire quelque chose de différent. Et donc il serait pervers alors? Mais en même temps c'est quelqu'un de très gentil, enfin je veux dire, il est, je pense que des fois père, comme il veut se démarquer d'un cinéma naturaliste et même réaliste, je crois qu'il perd de vue un petit peu le réel. C'est-à-dire que moi, par exemple, il voyait plus la personne, il voyait le plan. Enfin, je veux dire. Et après, je l'ai engueulé, je lui ai dit, t'étais pas un bon metteur en scène parce que tu m'aurais mis au bord d'une route, ça faisait exactement le même effet, je veux dire. On n'avait pas besoin d'aller à Mario, dans le plus petit village de France, pour tourner cette scène-là. Je veux dire, il y a des chalets, il y en a partout, je pouvais me pencher... donc, voilà, là je l'ai engueulé, quoi. Oui, puis il y avait aussi le sujet de Billy the Kid, qui est quand même un... C'est l'amour-combat, quoi, c'est un duel. C'est un duel, et je crois que...
il y a une question de la violence entre les actrices et Luc, quoi. C'est pas entre l'acteur et Luc, c'est plus entre les actrices et Luc, quoi. Parce qu'il y a une espèce de... Il y a une espèce de rencontre de fantasmes, quoi. Et moi, je sais que... Je sais que quelque part, peut-être, nos fantasmes se sont croisés, quoi. Parce que très curieusement, l'endroit où il m'a emmené pour récupérer sur ma planche avant de reprendre la suite du tournage, quand j'ai réussi à sortir, sur quoi je suis tombée? Sur une autre falaise qui était dehors. La première chose que j'ai vue, c'était à Gordes, dans ce coin-là. Quand je suis sortie, paf, je suis tombée sur une autre falaise, quoi. Donc, quelque part, il y a une histoire de falaise entre Luc et moi. Ça, c'est... Il y a quelque chose. Donc, ça peut être dangereux de tourner avec Moulet, alors. Ah oui, ça peut être dangereux, oui. L'action, c'est le danger. L'action, c'est le danger. Et toi, quand tu as fini ta chute, donc, tu étais... Qu'est-ce que tu as dit? Je suis en train de mourir. Comment tu as réagi? Bah, j'étais... D'abord, j'avais perdu la mémoire pendant 2 jours. Donc, j'étais plutôt euphorique, non? Parce qu'il y a... Il y a une espèce de... Le corps réagit. Et donc, moi, je me souvenais de rien, en fait. Tu étais à l'hôpital à Digne? J'étais à l'hôpital à Digne et Léo m'a offert tout Marx et j'avais un autre copain qui m'avait offert tout Freud. Je me suis retrouvée avec les 2 tomes. Mais non... après, par rapport au cinéma, ça m'a donné une période de latence. C'est-à-dire que j'ai mis un certain temps à redonner envie. Enfin, je veux dire, le cinéma, j'ai toujours, d'une manière ou d'une autre, j'ai toujours travaillé. Après, je suis passée de la philo donc au cinéma, mais pour revenir vers le cinéma, ça m'a pris un certain temps. Et là, ce tournage t'avait permis aussi de repérer des lieux pour faire ton court-métrage? Oui, après j'ai fait 2 courts-métrages dans ce coin-là, oui. Dans les Roubines. Donc tu as pu retourner quand même dans ce lieu, malgré cette chute, et faire ce film? Oui, en 72, 2 ans après, oui. Oui, j'ai tourné Octopus des Natura, oui. Alors c'était un exorcisme, tu retournais presque sur les lieux mêmes? Sans doute, oui. Oui, sans doute. Oui. Mais ça durait 10 minutes et en noir et blanc, enfin il y avait... C'était ludique. Et comment ça s'est passé avec Léo, au niveau professionnel? Parce que lui, il avait déjà une carrière très, ouais, très longue de, ouais, acteur, puis toi, tu arrives, tu es une débutante. Donc, oui, j'étais débutante, mais quand même, avec la philo, je m'étais posé quand même un certain nombre de questions sur les... Puis j'avais fait aussi, j'avais écrit sur la peinture, des choses comme ça. Donc ça m'a permis, ça m'a aidé à me situer par rapport à Jean-Pierre. C'est-à-dire que j'ai pas cherché à rivaliser avec lui, j'ai cherché à me trouver, à occuper une position possible, quoi, entre le paysage et lui. Et je te dis, au moment où cet accident est arrivé, il y avait un plaisir de... Du jeu, on était en train de faire. Il y a certaines scènes qui sont très fortes, quoi, entre nous. Et donc c'est dommage. Il y a une espèce de cassure. Mais parce que le cinéma de Luc, c'est aussi beaucoup des ruptures et des. C'est un rythme. Mais moi, là-dedans, j'étais un peu. Quand j'ai revu le film à la Cinémathèque il y a 2 ou 3 ans, j'étais frappée par la force de cette fille, quoi. Je te dis, quand je dis j'ai des scènes en soutien-gorge et tout ça, je veux dire, il avait repéré que j'avais une bonne poitrine. Et donc, je crois que j'incarne une espèce de terre ou d'être, enfin, un peu l'être, la force en tout cas. Je dégage une force incroyable.
Et ça m'a frappé. Donc, par rapport à moi, Léo est tout petit, nerveux. Et puis, je chante aussi dans le film. Ça, je le précise parce qu'il ne m'a pas mis au générique. Mais... Donc, je dis « je chante » dans le film de Luc Moulet. Et je trouve ça plutôt pas mal. Il a essayé de t'ensevelir aussi dans les œufrières du Colorado. Oui, 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 il a essayé de m'ensevelir. Il m'arrivait toutes sortes. En fait, c'est une destruction. C'est un duel un peu à mort avec Léo. Et plus le temps passe, je ne sais plus s'il perd un œil, mais enfin, il perd beaucoup de... Il est démembré, quoi, quelque part. Donc, on a... Tous les deux, on a pas mal écopé, quoi. Mais le film, il est... Je crois qu'il tient bien, hein. Je veux dire, sur le moment, il est sorti peu de temps parce qu'il y avait un autre film de programmé derrière, mais il avait un potentiel, ce film. Et puis, il est très, je sais pas, il y a des scènes où je me retrouve avec des taches de sang sur la robe et des trucs comme ça. Il y avait quand même des coups d'audace. Je veux dire, c'était un film gonflé, quoi. On va passer à Anatomie, maintenant. Voilà, passons à Anatomie. Ah, ouais. À peu près 4 ans après. C'était en 60. C'est 14 ou 15, 75, je crois. Céline n'était pas née. Elle est née, si, elle est née en 74. Donc elle était bébé, c'est 75. Ah. Alors comment se fait-il que tu poursuis l'aventure avec Moulet, donc après ce choc? Je lui ai dit, j'étais un peu vache avec lui, je lui ai dit, écoute, si, essaye toutes ces demoiselles qui reçoivent beaucoup de scripts. Mais en fin de compte, je pense qu'il faut... On devrait demander aux actrices quels sont les scripts que vous avez refusés et pas seulement se baser sur les scripts qu'elles ont acceptés. Parce que je sais qu'il y avait des actrices qui étaient quand même... connus qui l'ont refusé, quoi. Donc je lui ai dit, bon, si personne le fait, je le ferai. Mais là, c'est un peu particulier parce que le film est co-réalisé par Antonietta Pizzorno. Donc là, la situation était différente. C'est une situation un peu triangulaire, quoi. J'avais deux interlocuteurs, là, ouais. C'était un peu différent. Ouais. Et peut-être que c'était Antonietta qui te donnait aussi plus d'informations sur ton jeu, je sais pas. Un petit peu, oui. Disons que j'étais devenue un enjeu entre eux. Un enjeu entre eux. Et non, mais le film, il est moderne. Je l'ai revu là au Centre Pompidou aussi. Il a gardé beaucoup de fraîcheur et beaucoup. C'est un peu le premier film moderne sur le couple moderne, quoi. À part ceux de Godard, je trouve que le film, il marque un tournant, quoi, dans le rapport de couple, parce que la fille dit, bah, écoute, moi j'en ai un petit peu assez, en fait, mon corps, tu le connais pas, c'est une espèce de revendication comme ça, c'était un peu marqué de côté revendication, mais... et en plus, non seulement tu me fais pas jouir, mais en plus, tu connais... Je me retrouve enceinte. Donc, la fille était furieuse. Il essayait le fameux test de... Il essayait le test de grossesse. Puis après, elle devait faire un avortement en Angleterre. Et Luc, lui, son personnage, c'était un... c'était autobiographique, quoi. Je dirais, c'est un réalisateur couvert de dettes. Et son compte est crédité par une espèce d'opération du Saint-Esprit, à la suite d'une erreur. Il se retrouve recrédité, donc il peut se financer un film. Alors moi, j'avais bien vu que Luc prenait tout le côté ludique pour lui, et que la fille était encore un peu castratrice. Donc c'est pour ça que je lui avais dit, surtout pour ça que je lui avais dit, cherche quelqu'un d'autre et tout, parce que j'avais pas envie de me retrouver encore de cette position de femme un peu surpuissante, qui châtreuse et tout ça. Là, c'est un peu particulier, parce que lui, il joue toujours sur un mode comique dans le film,
toi, tu es toujours sérieuse. Quand tu, chaque fois que tu discutes avec lui, tu essaies de ramener les choses à la raison. Voilà. Enfin, lui, à chaque fois, il y a toujours un décalage. Voilà, donc. C'est une opposition entre vos deux jeux. Voilà, alors moi, j'avais bien pigé tout ça, donc j'essayais d'y échapper, mais c'est très difficile. C'est-à-dire que c'est très difficile d'être dans la scène et en même temps de dire je ne suis pas tout à fait là où vous croyez que je suis. C'est ce que j'essayais de faire, j'essaye de glisser un peu, d'échapper au rôle, bien que ce ne soit pas toujours facile à faire, quoi, parce que c'est très précis. Hein. Donc là, bon, c'est vrai que je peux pas l'aimer, puisqu'il m'a toujours... je peux pas l'aimer, je peux pas aimer ce qu'il me donne à faire, quoi. Mais en même temps, j'aime son cinéma, donc je suis coincée. Je suis obligée de penser film. Ouais, et puis en même temps, il est en fait le seul qui t'a proposé des grands rôles. Ouais. Oui. Comédienne. Oui, puis c'est lui quand même qui m'a... C'est quand même grâce à lui que j'ai... Je suis très contente d'être entrée dans le cinéma par le cinéma de Luc, parce que c'est une chance formidable d'avoir pu réfléchir au cinéma par là, quoi, de par là. Je pense pas que j'aurais aimé le cinéma si j'avais fait un film plus normatif ou plus... Je veux dire, cette passion que j'ai développée pour le cinéma, ça vient aussi par Luc. Donc il a été un peu mon papa de ce côté-là. Et là, je suis plutôt contente de... Comme père, j'en suis plutôt contente, quoi. Même très contente. Donc on est lié par toute cette histoire. Disons que j'y ai trouvé une identité et ça m'a permis de franchir. En fait, moi, je venais un petit peu de la philo et de l'abstraction de la philo et je suis allée au cinéma par Luc, c'est-à-dire vers des choses très très concrètes, des situations très concrètes, et j'ai franchi tout l'arc, quoi. Et donc ça, c'est bien, je veux dire. Mais on a un rapport comme ça très, très ambivalent. C'était un tournage moins dangereux quand même, anatomique, que des lignes. Physiquement. Oui. Non, parce que Luc, il a mis sa toute-puissance dans les Alpes, je veux dire, sa toute-puissance enfantine. Donc, c'est beaucoup plus dangereux d'aller par là, avec lui. En appartement, c'est de la vie quotidienne. Bien sûr, c'est dangereux aussi, parce que chaque situation, la fille joue son identité, enfin, je dirais. Mais en même temps, on sait bien que c'est lui qui ramasse la mise, je veux dire. Alors que, quand même, dans ce cas-là, il y a une co-réalisatrice, donc... Mais elle est sans cesse débordée par sa droite, par sa gauche, parce que vous voyez, elle tire toujours la couverture à lui. Oui. Il y avait une scène où je me suis un petit peu engueulée avec Antonietta, qui était une scène où la fille, en fait, la prof, se retrouve avec d'autres femmes assises sur des coussins, il y a des enfants, etc. Et elle était censée être heureuse à ce moment-là. Et moi, je lui ai dit, écoute, Antonietta, avec les situations que je viens de traverser, avec Luc, là, je ne peux pas être heureuse à ce moment-là. Ce n'est pas parce qu'il y a trois nanas autour que ça va baigner, tu vois. Et là, on s'est quasiment battu parce qu'elle y tenait absolument. Puis à la fin, je crois qu'elle a placé une scène où j'étais un peu plus souriante. Mais en fait, moi, je me sentais, j'avais pas envie de rentrer dans cette espèce d'idéologie féministe qu'elle voulait coller à ce moment-là, quoi. Est-ce que c'est un film considéré comme féministe ou comme comique à ton avis ? Je crois les deux. Je crois qu'il a réussi son pari. C'est à la fois féministe et à la fois comique. Une gageure.
là, dans tes notes, là, qu'est-ce que tu voulais... Non, bah, je crois que j'en ai un petit peu parlé. Par exemple, avec les acteurs, il leur fait passer des épreuves, en fait. Dans Billy the Kid, c'est un peu... Il me semble que c'est un peu ça, non? Oui. Enfin, des, tu vois, des épreuves... Non, mais parce qu'il veut se rendre insupportable quelque part et en même temps, on sait que c'est ça qu'il attend, qu'on lui dise « arrête », que nous, on soit mis dans la position d'être la loi. Il avait un père un peu facho, et puis sa mère, par contre, était une femme d'esprit, de la Touraine, avec un fume-cigarette, etc. Donc, c'est ça, quoi, il est... C'est ça, si on dit toujours, écoute, arrête, Luc, on ne croit pas à ton truc. Mais même, c'est il la... attend ça, il attend qu'on lui dise ça. Mais c'est la position d'Antonietta, elle est, je veux dire, elle est tout le temps en train de lui le raisonner. Mais moi, c'est pas là où je sais bien que je pourrais être là, mais j'ai pas envie d'être là. Donc il faut chercher, parce quand que... Quand on cherche à le raisonner, ça le pousse encore plus dans... Mais oui, bien sûr. Parce qu'il va devenir, je veux dire, le jeu de pistes va se démultiplier. Il organise son jeu de pistes et puis ça va se complexifier, mais... Et là, bon, comme à l'époque, je pense qu'il était comme maintenant, parce qu'il est vraiment, il est d'une énergie absolument incroyable sur un tournage. C'est-à-dire qu'il n'y a pas, il y a jamais de temps mort. Vraiment, quand il a fini une scène, il est déjà en train de préparer l'autre. Oui. Je ne sais pas si tu oui, avais oui. ressenti oui. ça. Oui. Alors qu'il y a beaucoup d'autres metteurs en scène, ils prennent leur temps, tout ça. Lui, il a déjà fini. Ah non, ça l'exalte, ça l'exalte. Mais en même temps, il est très tolérant, je veux dire. Si les autres sont pas prêts, il attend. Mais c'est vrai qu'il a tout organisé. Je veux dire, mais parce que c'est ça son truc. Il a toujours une longueur d'avance. Il est toujours parce que on est mis en position d'avoir à réagir à son système. Mais moi, ce qui me fascinait, c'était qu'il y avait système. Et qui avait donc, on était tout le temps déplacé. C'est pas le type qui te place, qui te bloque, c'est un type qui te déplace. Et moi, j'aimais bien ça. Enfin, je veux dire, j'aimais. C'est une certaine forme de jeu, quoi. Il joue oui, avec les acteurs. Ouais. Oui, mais tu sais qu'il y a quand même la mort quelque part. Il y a un moment où, attention, hein, tu vas peut-être y passer. Et avec Léo, là lui, comment ça se passait alors? Tranquille, je veux dire, parce que je pense que Léo, il avait choisi Léo parce qu'il attendait quelque chose de Léo et que Léo lui a fourni la calligraphie de ce qu'il attendait de lui. Enfin, je dirais là. Et il est formidable dans le film. Enfin, avec son savoir-faire, je veux dire, pour lui, je veux dire, il y avait une évidence dans ce qu'il avait à faire. Je te dis, pour les femmes, c'est un peu plus dur de... parce qu'on sait où il vous attend. Mais c'était beau. C'est vrai que mon personnage, bon, sur le moment, moi, je voyais un petit peu là où il voulait m'emmener, où je voulais pas forcément aller. Mais après, quand j'ai vu le film, je savais pas que le personnage avait tellement de force et de... Et c'était un peu comme une sculpture, quoi, en fin de compte. Et ça, j'aime bien, moi. J'aime bien ça. Comme j'aime bien dans l'ennui, cette espèce de fille sculpture, là. L'ennui de Cédric Kahn. Il y a trop de personnages féminins qui sont un peu... Et là, dans le film, il y avait très peu de prises, j'imagine. Oui, très peu de prises. Très peu de prises. Enfin, en faire qu'une, mais on est quand même assez libre comme acteur, hein. Il donne pas trop d'indications. Je veux dire, parce qu'il sait que c'est balisé quelque part. Mais on est quand même un peu libre, on est... Mais des fois, il exagère, quoi. Là... Bah, tu sais, il exagère même avec la sécurité sociale. Oui. Ouais, là, il m'a fait écrire une lettre pour la sécurité sociale qui est un exemple de... Oui. Non, c'est vrai qu'il adore faire passer des épreuves et
de tous ordres. Hein. Là, cette lettre que j'ai dû envoyer à la Sécurité sociale, il prend les gens un peu pour des cons, quoi, finalement. A girl is nothing but a gun to protect you from your enemies. A girl is a hostage that you will deliver to keep your freedom. A girl is an old pack horse that will carry all the treasures you've stolen and will steal. I am your gun, I am your hostage, I am your pack horse. When will you see that the guns you wear near your bed are more powerful than I am? When will you see that you've made mistakes and that I am also a girl, that I am only a girl? No, I don't want to be a gun. Get rid of my butt. Put off my bullets, break my tumbler. Go further than my barrel. When will you see that inside this gun there is a heart? There is